Allez, ta gueule. Attends, voyons. Ah! Non, ça marche pas. Normalement, les oiseaux, ils s'enlèvent. C'est ça. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour la vidéo test des oiseaux qui partent pas, si ça y est. De Destiny, The Taken King, le roi corrompu. Sorti officiel le 15 septembre 2015, édité et développé par Bungie et Activision. Et je suis en compagnie de Rochi à nouveau. Salut Roro. Salut à tous. Quelle belle prestance, quelle belle entrée. C'est magnifique. Bon, allez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, salut. On va montrer donc du coup les nouveautés pour les habitués. Notamment, tu étais à côté de Banshee 44. Allons montrer l'armurier, car maintenant on peut gagner de l'honneur chez l'armurier. Donc voilà, cela consiste en quoi? À récupérer des armes et à faire les défis qu'il vous demande, que ce soit en épreuve ou en PvE. Une fois augmenté, vous gagnez l'honneur et vous pourrez passer à un stade supplémentaire pour pouvoir faire d'autres défis avec des meilleures armes. Qu'est-ce qu'on devait leur montrer d'autre aussi? Inventaire. Oui, quête. L'interface a changé, les quêtes. Les quêtes. Maintenant, les quêtes sont ici. Vous avez jusqu'à 2 pages de quêtes. Donc 12 cumulées. Vos honneurs sont ici. Les contrats, on peut en cumuler jusqu'à 16 maintenant. Ce qui est beaucoup mieux parce que le max était 10, il me semblait, avant. Donc 6 de plus. L'honneur de l'armurier, comme je vous en ai parlé, c'est ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, graphiquement un petit peu modelé, on se rapproche maintenant plus du 1440p que du 1080, quoi. C'est les gammas et les lumières sont beaucoup plus accentuées, c'est beaucoup mieux. Eris a changé de place, elle est ici. Elle nous fait plus chier à côté avec son vaisseau. D'ailleurs, dans le solo, on comprendra pourquoi. Oui, ah oui, tu es là-bas. Mais dis-nous-le, vas-y, manifeste-toi un peu. Montre-nous que tu sais les choses. Ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. C'est le plan des armes exotiques. Alors, d'après ce qu'on a pu comprendre, bon, parce que le jeu est sorti aujourd'hui, on y a joué toute la journée pour essayer de voir ce que ça y donnait, les plans de l'an 2. Donc l'an 2, c'est la nouvelle mise à jour, ça fait un an que le jeu est sorti. Je rappelle que le jeu était sorti le 9 septembre 2014. Ça date déjà. Et donc du coup, quand vous rencontrerez, que vous découvrirez des armes exo pendant l'an 2, ben, elles seront ici et vous pourrez les upgrader au niveau 40, qui, je vous rappelle maintenant, c'est votre niveau maximum. On peut porter du niveau 34 à 40 pour ceux qui ont fini avec 34 de lumière. Et maintenant, la lumière, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous laisse lire la phrase et en même temps, je vous apporte une modification, enfin un petit plus. Activision ayant récemment racheté les droits de certains jeux de Blizzard. Pour ceux qui connaissent Diablo, vous connaissez sûrement le niveau de Parangon, qui était le niveau de leveling infini. Ils avaient trouvé la soluce chez Diablo de monter de niveau de façon... c'était interminable. On ne peut monter jusqu'au niveau infini. En fait, il n'y a pas de stack maximum. Et donc, plus vous jouez, peu importe, même si votre lumière englobe votre stuff d'armes ainsi que votre stuff d'équipement, et que vous gagnez de la lumière, plus vous faites de frags, plus vous montez quoi qu'il arrive. Donc, du coup, le niveau de lumière récompense votre temps de jeu. À savoir que si par exemple Rochi ici présent et moi avons par exemple la même arme, imaginons s'il avait un fusil automatique à 204 mais que moi je suis à 230 de lumière et toi tu es à 220, et eh bien mon arme ferait plus de dégâts parce que j'ai plus de niveau de lumière. Tu te rends compte? Et parce que je joue plus, je serai toujours supérieur. C'est pas normal. C'est pas normal, bah si d'un certain côté ça récompense le temps de jeu, ça c'est cool. Nouveauté aussi, votre équipement, votre item de classe vous rapporte de la défense et vous avez maintenant des reliques, qui sont des objets qui vont vous donner des petits plus pour votre doctrine. En parlant de doctrine, arrivée de la troisième doctrine, dont on s'empressera de vous montrer, Rochi et moi, lui ayant l'arc abyssal pour son petit chasseur et moi, le rite de l'orage, le cryo électrique de l'arcaniste. Le spectre, maintenant, des coques peuvent être trouvées qui modifieront les capacités de votre cher ami, de votre petite lumière, ainsi en augmentant aussi la défense. Des interactions maintenant disponibles que l'on peut trouver, des couleurs, des motifs, un nouveau passereau qui vous est offert, c'est super classe. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? La relique. La relique. Quelle relique? La relique de l'inventaire. Mais si, ça, tu veux dire? Oui. Mais si, je l'ai dit, ça donne des spécificités pour la doctrine. Oh, c'est comme ça que j'ai enchaîné sur la doctrine. Je l'écoutais. Tu n'écoutais pas. Qu'est-ce que tu faisais pour ne pas m'écouter? Et je regardais le panneau des quêtes abandonnées. Le panneau des quêtes abandonnées. Panneau qui était accessible avant la sortie de The Taken King, où est-ce que l'on pouvait refaire le jeu pour se remettre un peu en canne. Tiens d'ailleurs, quand on refinissait le solo, on avait le fusil de l'inconnu en violet maintenant. C'est vrai. Voilà, 110. Nouveauté. Du coup,
L'ascension est toujours disponible avec des écus légendaires, nouveaux écus que l'on gagne en plus de l'épreuve et de l'avant-garde. Comment on les gagne ? En faisant des assauts. En faisant des assauts, en faisant des nuits noires, en faisant des assauts épiques de la semaine. Nuit noire niveau 42. C'est combien de lumière qui est demandé ? 260 ou 280, je sais pas. 280 pour les nuits. Ok, on n'y est pas encore. Le solo quand même qui est vachement bien, à savoir que Game Rankings lui a donné la surprenante note de 18 sur 20. Un solo beaucoup mieux, beaucoup plus développé que le House of Wolf quand même, qui est plus long. Parce que mine de rien, on y a passé toute une journée pour faire tout le solo. Oui, moi je l'ai pas encore fini. Tu l'as pas encore fini alors qu'on avait commencé ce matin. Une fois que vous avez fini, les assauts sont donnés. Enfin, on peut faire les 4 nouveaux assauts qui sont donnés. Donc, où est-ce qu'ils sont déjà ? Il y en a un sur la Terre, que tu n'as pas fait, il me semble. Non. Le boss d'ailleurs, figure-toi que c'est un collecteur énorme. un sur Vénus et 2 sur Saturne, mais plus précisément, le comment il s'appelle leur vaisseau là, le gros, le... Cuirassé. Le cuirassé, c'est ça. Voilà, donc on va être sur le cuirassé sur Saturne. Ne perdons pas plus de temps. On va partir. Et du coup, voilà. Dégage. Tu m'as tenté aussi. Arrête. Un petit beau cul sur la rambarde. Magnifique. Non, nous ne sommes pas gays. Du coup. Tu n'es pas parti. Non, on n'est pas parti. Désolé. C'était un imprévu, c'est le direct. De quoi les coffres ? Qu'est-ce qu'il y a les coffres ? Je te vois le montrer. Ah, les coffres qui ont été augmentés, c'est vrai. 3 pages de coffres qui vous sont données, chaque fois qui sont consacrés au stuff, aux armes et aux matériaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et 72 items par arme, par... Des slots, 72 slots par page. 72 items à pouvoir mettre caler. Dans les coffres. Ouais. C'est pas mal. C'est pas dégueu, tu me diras, ouais. Bon, et bien du coup, pour leur montrer une mission sans trop de spoil, sans montrer d'assaut, etc., autant leur montrer vite fait. Les niveaux 41 en assaut sont donnés, 36 et 20. Voilà, 3 assauts, 3 niveaux. Niveau de lumière qui est conseillé, les écus que l'on nous donne, les récompenses, voilà. La nuit noire, 280 en lumière, Taras la pute. Ça va être un truc de fou. Mais voilà, le nouveau, la carte qui a changé, bien sûr, aussi l'interface, depuis la mise à jour 2.0. Et Saturne, mais plus précisément, le cuirassé. Et on va faire la toute première mission, histoire de pas trop spoiler, non, je pense. Ouais, elle est sur Mars, ouais, sur Phobos, là, qui est la lune de Mars, en fait. C'est la toute première mission qui vous présente, du coup, les corrompus, les âmes qui obéissent uniquement à Oryx, le papa de Cropta qui nous en veut beaucoup. Le papa de Cropta. Le papa de Cropta. Qui est un peu vénère. Qui est un peu vénère, c'est ça. Pendant que mon ami se délecte de sa boisson favorite, ne citons pas de marque, Pepsi. On va lancer la mission. Coca-Cola et Coca-Cola de Lidl. Il faut dire sans marque. Ah bon ? Sérieux, tu me l'apprends ? Ah bon, ça c'est la petite vidéo d'intro. C'est notre cher Spectre qui nous parle. Et si vous l'avez bien remarqué, durant la VF, c'est la voix de Tyrion Lannister. Et oui. Est-ce que tu suis Game of Thrones, toi, un peu ? Oui ? Un peu trop, d'ailleurs. Un peu trop ? Bon, de toute façon... Nous, on se réfère surtout, nous, aux Lannister, parce qu'on paie toujours nos dettes, et parallèlement, on baise nos sœurs. Qu'est-ce que je l'ai mis ? C'est parfait, tu te rends compte qu'on parle de nos sœurs ? C'est parfait. Bon, les gens ne savent pas si on a réellement des sœurs. On s'en fout. J'ai une sœur jumelle. Elle a 2 ans de plus que moi. Mais elle est jumelle, quand même. Mais papa et maman, ils nous aiment beaucoup. Papa et papa, ils nous aiment beaucoup. Papa, il m'appelle Tonnerre. Ma différence, c'est ma force. Désolé. À l'heure à laquelle on fait cette vidéo, il est presque 2h du matin. On est fatigué, on a joué toute la journée. Je suis désolé. Donc là, on voit un petit peu version Space Opera Battle Galactica, le frère de la reine éveillée qui va se fight. Non, on va leur laisser quand même. C'est histoire de voir quand même la beauté du jeu. Mais bon, voilà. Lequel ? Ceux-là, là ? Tous. C'est pas compliqué, tous. C'est plutôt... Ouais, les vaisseaux éveillés, quand même, c'est des cochons. Hein. C'est des vaisseaux à triple pénétration, ça, quand même. Hein. Ça, par contre, ça, c'est un gros suppos, ça, ouais. Tu m'étonnes en même temps. Quand tu vois le cul de Cropta, c'est parfait. Tu te rappelles la mission, putain, attends, c'était quoi, déjà ? Le temple d'Oryx, la grosse boule qu'il fallait péter. La légende dit que c'était sa testicule gauche. Paraît-il. Paraît-il.
Enfin. Ouh, ça, oui. Rien fait. Ça me rappelle les vaisseaux qui essaient de battre en vain l'étoile noire jusqu'à qu'un certain Skywalker arrive de nulle part et mette un tir bien concentré. De là, faire dévier des tirs de croiseur avec la force, dans le cœur de l'étoile noire. Bah, c'est le dernier, tu l'as vu. Paraît-il. Quoi? Paraît-il quoi? De quoi? Ah, oh, belle! Joli. Ah, bah, je te laisserai l'annoncer. Mais parle-nous, toi, des doctrines, justement. Parle-nous de ta doctrine. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais mieux que moi. Moi, ma doctrine, donc c'est une nouvelle doctrine, c'est la doctrine abyssale pour chasseur. On obtient donc un arc. Et quand on tire sur un ennemi, cet ennemi donc, est propulsé dans une espèce de trou noir. Et de ce trou noir sort des lianes qui attrapent les ennemis qui sont autour pour. Drainer. Pour les étourdir. Ouais. Et mais plus on augmente, j'ai pas encore fini la doctrine, mais plus on augmente. On a eu beaucoup plus de dégâts, il y a beaucoup plus de choses à faire au niveau de cette doctrine, dont notamment le fait de tirer sur un seul ennemi qui est accroché par ses gaines, mais des dommages à tous les autres. Ça, c'est plutôt intéressant. Bah en fait, on va dire que chaque classe, en fait, sur leurs trois doctrines, du coup, en a toujours deux qui est là pour faire mal et une autre qui est plutôt soutien, en fait, je trouve. On va dire que t'as trouvé celle qui est soutien, parce que l'épéiste, c'est du bourré à n'en plus finir, quand même. Le pistolero, ça pique. Moi, en tant que Arca, moi, ma seule soutien, c'était le solaire et l'abyssal et le cryo. Et celui-là, c'est plus voilà. Une sorte de zone, en fait, parce que le chasseur n'avait pas de sorte de zone, il avait plus du corps à corps ou cible par cible, je dirais. Et puis là, c'était plus une sorte de zone quand il est bien calé. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt intéressant de jouer comme ça, surtout que quand on a quelques missions où il y a beaucoup d'esclaves, par exemple, c'est sûr, très intéressant. C'est pas mal, ouais. J'ai fait exprès de passer parce que Oryx allait faire quelque chose et j'ai pas non plus envie de spoiler le truc parce que c'est assez badass que enfin, ce qui va s'en résulter de cette action. Et donc du coup voilà, achetez le jeu si vous voulez le savoir. Achat compulsif, achetez le jeu. Du coup je te laisse parler de ta doctrine version trio. Ouais, avec la petite punchline, enfin la petite remarque sur Star Wars. Donc maintenant, Rochi m'appelle Palpatine, en fait. Je suis l'empereur. Non, c'est vraiment pour faire le balayage. Je suis littéralement tombé amoureux de cette doctrine, vraiment. Autant l'abyssal, c'était un truc de fou. Le Kamehameha était magnifique. Le solaire, bon, ça a la classe parce que la radiance se raise, c'est toujours sympa. Mais là, faut avouer que... let me open the way, ok. C'est vraiment... Voilà quoi, Laissez-moi le passage, je vole, je lance des éclairs et je... Voilà, oui, parce qu'en plus je lévite dans les airs et j'ai un bonus de rapidité. Comme ça suffisait pas, et mon corps à corps est un putain de défibrillateur qui envoie les ennemis loin, et si en plus le cadavre, quand il crève, il se désagrège en cryo électrique dans les airs, et si un ennemi est à côté, il se prend les dégâts aussi. Pourquoi pas? Why not? Enfin. Oui? Quoi? La doctrine du titan aussi, cette espèce de marteau de Thor. On a pu jouer avec Nick, qui est l'autre notre titan attitré dans l'équipe. Il peut jeter des marteaux, avoir un bonus de résistance du coup avec toutes ces flammes qui l'entourent. Et du coup, mais surtout, il pourra l'améliorer pour aller au corps à corps après. Et moi, c'est ça que j'aimerais voir et je l'ai pas encore vu. Ça a l'air bien bourrin, crois-moi. Quand j'ai vu dans la vidéo qu'un phalange gardait son bouclier. Et qu'il l'a frappé, le bouclier est resté sur place et c'est la phalange qui est partie. Voilà. Dessin animé le machin. C'est génial. Donc voilà, nous sommes sur Phobos, où est-ce qu'un message d'alerte a été envoyé par les cabales, mais bon, seuls les gardiens ont répondu et les cabales ne portent pas les gardiens trop haut dans leur cœur, malheureusement. Donc en fait, on vient plutôt les niquer qu'autre chose. C'est parti. Durant cette mission, on va vous montrer donc du coup l'opening de The Taken King. En français, le roi des corrompus. Ce qui est un peu bizarre parce que Taken King, quand même, est une appellation américaine pour dire échec et mat aux échecs, en fait, à la base. Mais bon, on met du français dans le jeu comme on peut. Allez, continuons. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement? Plus long, quand même, que ce soit de Cropta ou de Skolas. C'est vraiment du temps de jeu et puis un scénario un peu plus intéressant, je trouve. Et puis après, pour le prix d'extension, je sais pas. Ouais, on vous le rappelle, 39€. Aussi long, quoi. Et vraiment super sympa. Et puis la numération avec cette mise à jour 2.0 qui est vraiment pas mal.
J'aime bien le toute cette interface qu'il y a autour de, des quêtes, etc. Ouais. Et puis beaucoup d'améliorations au niveau du jeu. Je parle pas uniquement des doctrines et tout, mais vraiment super sympa. Ouais. Mais du coup, non, franchement, c'est sympa. Là, on voit bon, mais du coup, l'arrivée des corrompus, quoi, en fait, des espèces de portails. Des portails ou des portos. J'allais faire l'allusion avec le jeu de mots, mais je ne vais pas la faire. Oh, it is Oryx. Allez. Et donc, nous arrivons. Oui, vous l'aurez bien remarqué, Syrok, qu'on a déjà affronté, de toute façon, il fera appel à beaucoup de héros méchants que l'on a pu affronter dans le solo, car il les a corrompus. Bon, qu'est-ce qu'un corrompu ? Déjà, c'est quelqu'un qui est happé de toute volonté et qui n'obéit plus qu'à Oryx, mais du coup, c'est un clone, parce qu'en fait, il peut corrompre du coup ben, les morts ainsi que les vivants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ces espèces de psions corrompus, du coup, peuvent avoir le pouvoir de se dédoubler. Si vous leur tirez dessus, ils créent une copie d'eux-mêmes. C'est un peu comme s'ils ont le temps, comme les obo-gobelins qui créent leur petit champ de force de protection. Si on les a pas tués à temps, ils pourront se dédoubler. Bon, on a battu une des premières manifestations des corrompus. Mais bon, c'est assez sympa. Comme vous pouvez le voir, on est déjà niveau 40 dès le premier jour, mais ne vous inquiétez pas. Le niveau de lumière augmente, vous voyez ma barre en dessous, la barre bleue. C'est... vous en faites pas. Vous n'allez pas être lâché. Ouh ! Ça, c'est les phalanges avec leurs boucliers. D'ailleurs, je me suis fait niquer par une phalange. À un moment, je rentre dans une petite ouverture où est-ce qu'il y a le vide derrière moi. À peine la porte s'ouvre, et hop, un phalange qui armait déjà son bouclier. Tu te dis, what the fuck ? Bon, moi, j'ai mon super. Qu'est-ce qu'il en est pour toi ? Pareil. Bon, mais je vais te laisser le faire en premier, si tu veux. Et quand il y aura un peu de monde, parce que sur une seule... Et après, je le... Ici, ouais, vas-y. Hop. Vas-y. Donc là, t'as tiré ta flèche et ça se répand entre les autres. Et ça les drainent. D'énergie centrale qui happe un peu... Bon, je vais faire le reste, moi, je pense, du coup. Balayage. Let me... The force is with me. C'est parfait, je l'évite dans les airs, c'est un truc de fou, je vais très vite, enfin c'est du balayage, un vrai balayage. Et puis c'est la classe, comme vous pouvez le voir. Ça se répercute entre les ennemis, plus il y a de ricochets, plus ça fait de dégâts, c'est un truc de fou. C'est vraiment la doctrine qui est là pour faire mal, quoi, vraiment. Oh, un vaisseau cabal vient de s'écraser. Oh, mon vaisseau. C'est quoi, c'est le truc de Hilda, il me semble. Tu t'es fait TP ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais trop loin peut-être ? Ouais, je traînais derrière. Ah, le TP à l'eau, quand on avance trop dans le chapitre, on rejoint le collègue directement. Tu as sauté ? Tu as sauté le pas ? Grosse blague ! Putain, j'ai envie de me tuer. Allez. Allez, hop. C'est parfait. Non mais c'est cool parce que ça met plus en avant les cabales. J'en avais marre un peu, même si ça tourne un peu autour de la ruche, ben ça concerne un peu toutes les races en fait, parce qu'on aura des Vex aussi qui seront corrompus et tout, ça touche vraiment tout quoi. Et puis ça laisse place encore à une nouvelle extension parce qu'on a, on est que dans le vaisseau qui gravite autour de Saturne. Qu'est-ce qu'on aura autour de Saturne quoi ? Ça peut annoncer de belles choses. Pfft, hop là ! Un petit coup d'électrocardiogramme, normal. Dégagez ! Ah, moi pour mon corps à corps, c'est plus un couteau, c'est une espèce de petite grenade. Ben vas-y, fais-la, si tu peux, non ? Je peux. Voilà, qui explose et qui lance une espèce de nuage toxique qui étourdit les ennemis. Donc elle enlève un peu de vie aux ennemis, mais surtout les étourdit, c'est vraiment pas mal. Et moi, c'est la grenade du titan, celle qui fait 3 spires après avoir été jetée. Hop là, je la jette, et là elle refait des charges, comme vous pouvez le voir. Moi aussi. Voilà, ça fait des charges et ça fait des dégâts. Non mais franchement c'est bien, ça offre vraiment, là réellement, un vent de fraîcheur au jeu quoi, c'est ça qui est fou quoi. Parce que c'est vrai que Destiny on commençait à le retourner un peu comme une jeune effarouchée quoi. Pardonnez-moi l'expression mais c'est vrai quoi, à la fin on l'avait vu sous tous les angles quoi. Depuis ces derniers mois, pas le plus vu, c'était de choper un galore, c'est tout. C'est ça, voilà exactement. Oh. Ah non mais ce jeu, on l'avait tourné, retourné, autant que le nombre de vues du clip du Gundam Style quoi, tu vois, c'est... Mon vaisseau est là, ça y est, c'est la fin, on s'enfuit! Parce qu'il voulait nous rendre prisonniers de cette lune.
Voilà, beaucoup d'animation pour nous mettre quand même un opening assez conséquent sur un solo qui doit faire, je pense, 8 bonnes heures quand même, mine de rien, parce qu'on y a mis quand même la journée. Moi, j'ai pas quitté le jeu depuis 11h du matin. Là, il est 2h du mat. On a continué non-stop, rien qu'avec des pauses pour manger. Non, sérieusement, c'est vraiment sympa. Par contre, bien entendu, attendez-vous à recevoir du loot vert et bleu qui vont vous enlever vos armes violettes auxquelles vous tenez tant, ainsi qu'à votre précieux Galahorn, malheureusement. Mais je tiens à préciser qu'il y a eu un bazooka, j'ai été grave chanceux, j'ai eu un truc qui était mieux. Il avait les ogives téléguidées, explosives et missiles téléguidés en tripode. Donc c'était un mix entre la fin de Cropta et le Galahorn en bazooka vert. Vois le machin, quoi, tu vois. J'étais deg quand j'ai dû changer, mais bon, après j'ai chopé un bazooka légendaire. Enfin voilà, voilà ce qui peut vous attendre dans ce jeu, c'est vraiment vraiment sympathique. Hein. Une nouvelle interface, nouvelle planète. C'est non, c'est vraiment cool quoi. Ça a tout pour plaire. Hein. De toute façon, c'était forcément ça pouvait être que mieux que House of Fall parce que la PDV j'en avais un peu marre quoi à la fin quoi, tu vois. Ouais, disons que ça tournait un peu en rond et puis là on n'a pas encore une journée, on n'a pas tout fait quoi. Il y a pas mal de nouvelles armes. Un peu sur les pistolets. Ouais. On a découvert tout à l'heure qu'on pouvait avoir en arme lourde une épée. Ouais, putain, une épée. Alors ça, c'est vrai. Vraiment badass, en arme, la troisième arme, on peut avoir une épée. Alors ça, c'est fada. C'est une mission sûrement qui est à faire parce qu'on a vu que Eris, à un moment dans le solo, récupère un composé de l'arme. Et une quête s'en est résultée. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Bon, bien sûr. Le solo va vous mener jusqu'à Oryx, mais on attend tous bien sûr le raid qui arrive vendredi. Où est-ce qu'on va chier, voilà. Ouais, bon, après, ça va être glitché à n'en plus finir pendant les trois premières semaines. On va trouver des codes, etc. Jusqu'à que ce soit patché par Bungie, parce que les gens ne peuvent s'empêcher d'avoir des vues sur YouTube en montrant « Regardez, j'ai réussi à glitcher une étape !» Et du coup, voilà. Et là, bien sûr, les trois intendants qui parlent bien au chaud dans leur tour. Avec Ikora, Zavalak et Kaid. Ouais, Kaid, c'est un peu le gars qui... c'est le je m'en foutiste, en fait. C'est du coup le rôle badass, quoi, un peu dans le truc. Ensuite, on a Zavalak qui est l'éveillé un peu... ouais, écoute mes ordres, je suis le chef, etc. Il est un peu trop sérieux. Et Ikora, elle fait juste chier. Ouais, et Eris, c'est celle qui reste un peu dans l'ombre, c'est le Batman de la Ligue des Justiciels, un peu, quoi, tu vois. Et voilà, et Cade, c'est un petit peu le Gordon Flash, un peu provocateur, le Iron Man, le... Ouais. Voilà. Ouais. L'insolent. Ouais, c'est vrai que ce rôle-là, il fait tout en cachette, hein, d'ailleurs, on le voit... Ouais, dans un des solos, d'ailleurs, et voilà, on fera une de ses missions en Scred. Non, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Enfin, voilà. Bon, du coup, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu pourrais attendre? Qu'est-ce qui pourrait arriver? L'ouverture. On a vu la bataille interstellaire. Bungie avait déjà dit que des combats de vaisseaux spatials dans l'espace pourraient notamment arriver. Pas de suite, mais ça laisse du coup entrevoir une vague d'espoir pour ceci. Ça peut être sympa. Et je sais que c'est quelque chose que tu attendrais énormément du jeu, du coup. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, sur oui, carte, oui, oui, un peu oui, 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 bien sûr. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit arrivé d'ici. Non, oui, je pense pas que. Oui, oui, c'est still waiting pour l'instant, on s'avance sur rien. Mais en tout cas, voilà, c'est plusieurs missions, 4 assauts. C'est vraiment. Et puis les musiques aussi, toujours aussi sympathiques. Malgré les tout. La première mission. Ouais, c'est vrai qu'elle est fat. Ne parlons pas de la polémique qu'il y a eu à faire entre le procès entre l'un des compositeurs Orchestra et Bungie avec le procès qui est parti devant un tribunal, etc. On n'est pas là pour en parler, mais les musiques, elles, sont bel et bien restées, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que ce n'est pas moins de 12 orchestres qui avaient été mobilisés pour faire toute la bande-son de Destiny, notamment ceux qui avaient fait, entre autres, le LucasArts Theatrim, les musiques de Star Wars, ainsi que l'orchestre qui avait fait les musiques du Seigneur des Anneaux. Aussi. Donc du coup, voilà, il y a de quoi attendre, et bien sûr, le Electric Worry qui a accompagné bon nombre de rockers et de métalleux dans les orchestres un peu space opéra, comme System of Down et autres qui est présent. Bref, on en parle, vous le savez déjà, vous savez de quoi il en retourne. On va s'arrêter là, du coup. Ben, je pense qu'on a fait le
sans trop de spoil, on a un petit peu parlé surtout de l'essentiel pour pas que les gens soient perdus s'ils commencent à voir la vidéo avant de commencer le jeu. C'est plutôt pas mal de commencer sur des bases un petit peu plus évidentes. Après, peut-être voilà. Juste le jeu au début, il paraît un peu plus compliqué. Parce que je le trouvais un peu plus compliqué. On est un peu Toute l'interface a complètement changé. Ceux qui sont habitués au jeu vont sembler être perdus pendant les 20 premières minutes. Ouais. Ceux qui vont commencer le jeu, pour eux, vont plutôt vite s'adapter parce qu'on est quand même accompagné. Le trade content est vraiment bien mis à jour. Il y a pas mal de nouveautés. Disons que, parce qu'on était habitué, ça amène pas mal de choses. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça change un peu, c'est tout. Ça change. Mais voilà. Bon, c'est parfait. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci encore, Ochi. Pas de soucis. Et à ciao tout le monde. Ciao.